C'est un environnement à l'allure d'une zone rurale observée à première vue, alors que nous sommes au CQ 202 dans le 2e arrondissement Vonvou. Passage d'eau réduit et couvert d'herbe, sans compter les habitations construites au-delà de la limite exigée, un décor d'ensemble qui met en périple les riverains de cette zone d'habitation lors de grandes pluies. Scandaleux. Jusqu'au toit. On fuit, aller vivre chez les amis, les voisins. Quand l'eau finit, l'eau est partie. En ce moment, on revient dans la maison. Donc, c'est tout un gymnastique. Moi, demain, après-demain, après-demain, la morgue, l'hôpital a cessé, grande endémie. Toute l'eau passe par ici. On n'a pas curé. On a fait semblant de curer, il n'y avait pas curé. Là, il faut des matériels, les engins. Mais à la main, on va faire ça comment? À la hâte, si on pourra. C'est l'eau, papa. Si le manque de curage des lits de ces rivières est à mettre à l'index, le phénomène de dépotoir des voiries dans ces eaux est aussi à souligner, comme l'indique cet autre habitant. Na au moment où baiki ko sala biso awa na katia quartier na biso basala ki nous dans la zone, la mairie avait entrepris les travaux de curage certes à la main, allégeant la coulée d'eau. Seulement avec la construction de ce pont, les habitants ne cessent de jeter les ordures bouchant les trous. La mairie doit revenir avec cette opération de curage afin de nous soulager. C'est donc la peur dans le ventre que les riverains de ces cours d'eau comptent affronter la prochaine saison des pluies, sauf intervention de dernière minute des autorités, afin de les épargner de nombreux dégâts.